Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc de nouveau sur notre plan d'eau. Ouais, notre petit étang. Ouais, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo. Ça faisait un an après, ouais. Pratiquement. Vous avez été très nombreux à nous en redemander. Et comme la Loire a été très compliquée, et donc on a décidé de venir ici pour faire une petite vidéo. Les dents, hein, ouais, ouais, c'est donc, ouais, l'eau baisse et monte trop souvent là en ce moment. C'est trop irrégulier, il y a trop des grosses variations. On a trouvé les poissons, mais ils ne mordent pas, ils sont pas morts. Non, c'était pas du tout ça. Donc voilà, petite vidéo dans notre étang. Hein. Ouais, qui s'annonce bien sympathique. Petit préamorçage. Ouais, petit préamorçage. Vite fait, ouais, quelques billes, quoi. Deux poignées de billes hier, avant-hier. Ouais, deux jours avant, ouais. Ouais. Un petit peu de Tiger et de la bouillette. Tout simple. Donc voilà, on sait quelle heure c'est. Eh ben, c'est 8h40. 8h40, moi je dois partir à 10h. Ouais. Donc voilà. Après toi, tu vas être tout seul l'après-midi, mais bon. Il y a moyen de faire du poisson. Ouais, il y a moyen de faire du poisson, on est quand même bien confiant. De faire une bonne petite vidéo et puis voilà. Très longtemps qu'on les a pas pêchés, donc. Ouais, puis préamorcés. Ouais, préamorcés, donc. Ils ont pété, pêchés depuis un an, quoi. Ça devrait bien faire la différence, quoi. De toute façon, on y croit comme d'habitude. Hein. Ouais, notre petite carte devrait répondre présent, je pense. Ouais, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, allez, c'est parti, les gars, on vous emmène avec nous. Allez. On se retrouve du coup pour la première canne, du coup, qu'on va poser. Donc, petite bite 16 en. Équilibré en Monster Paradise avec un petit stick avec quelques pelés et des billes broyées. Ouais. Donc voilà, on va poser ça en face. Clipper à l'arbre là-bas. J'ai quitté au préalable. Paf. Et on va s'occuper de la deuxième vite fait. Poser tout ça et puis. Bon, bah du coup, peut-être une demi-heure, tout peine une demi-heure après. Donc la canne que je vous ai présentée, vers l'arbre. Partir là vers l'arbre. De toute façon, on le sait, c'est le hotspot de l'étang. Hein. Ouais. Donc voilà, petit poisson, je pense, ça met des petits coups de tête. Bon, ça fait bien plaisir. Ouais. Bon petit départ. Donc on va essayer d'assurer ça et puis et de vous la présenter. Hop, dans le triangle. Dedans, les gars. Bon bah voilà, le petit poisson qui aura mordu du coup. C'est un petit équilibré en 16 là, Monster Paradise. Il fait vraiment pas chaud là, on a ça alterne entre soleil, pluie, nuages, vent. Donc voilà. Premier petit plaisir, poisson. Ouais. Ça annonce que du bon. On va essayer de remettre la canne et d'en attraper une autre. Hein. En tout cas. Ça fait plaisir, premier poisson du week-end là. Yes, allez, on remet ça à l'eau. Allez, ça repart. Paf, à fond. Yes, les. Putain, double départ les gars, j'ai deux cannes dans les mains. Oh là, c'est la mission. Putain, le mec qui est bon. Wouah, c'est un truc de dingue ça. Là c'est chaud, il y a deux poissons en même temps. Voilà les gars, deux poissons en même temps, c'est carrément chaud.
Premier poisson est là. Bon bah voilà les gars. Donc double départ, les deux cannes dans les mains comme vous avez vu. Incroyable. Bon ça va, c'est deux petits poissons donc je réussis à les sortir tranquillement. Mais bon, deux jolis poissons. Des superbes écaillages. Hein. Vraiment des superbes écaillages. La toute petite, elle est magnifique, hein, des couleurs de ouf. Des couleurs de ouf. Des écailles. Ah franchement, elles sont super belles. Donc allez, on les remet à l'eau et puis on va reposer ces cannes. Et puis je vous montre un petit peu comment j'ai opéré. Allez, on va remettre ces deux petits poissons à l'eau. Ça repart gentiment. Allez, tout est éché, tout est prêt à relancer. Donc j'ai une bille danse en Monster Paradise, donc stick Monster Paradise. Et là j'ai deux Tigers équilibrés, donc pareil sur un stick Monster Paradise. Donc voilà, on se retrouve pour jeter les cannes là-bas en face. Allez, c'est parti. Donc allez, on est parti pour lancer les cannes. Donc on a effectué un petit préamorçage hier et puis tout à l'heure avant de tout monter directement en arrivant, je suis allé remettre pareil une petite poignée de billes et deux poignées de tiger quoi en gros sur la berge d'en face un petit peu. On a deux arbres immergés. Donc on a amorcé devant ça et puis j'ai une canne à gauche et une canne à droite, il y a deux arbres donc les deux extrémités. Et donc là double départ, j'ai un premier départ que j'ai pas filmé parce que j'ai décroché. Mais donc voilà, on y croit fort fort là, ça fait même pas une heure que ça pêche, on est déjà à trois départs. Donc on repose tout ça propre et puis on attend, hein. On se retrouve au poisson les gars. Allez, on va lancer tout ça. Donc là on va mettre la première canne à gauche. Donc à la Monster Paradise en danse. Hop, on prend la deuxième canne. Je la mets à droite là-bas. On est peut-être sur un poisson un peu plus joli les gars. En quatrième départ les gars. Donc là le poisson me paraît déjà beaucoup plus joli. Donc sur la canne de gauche à la Monster Paradise en danse. Ah et bah ça fait plaisir là.
Allez hop. Troisième poisson, la journée est super bien lancée. Une magnifique miroir là qui vient de prendre sur la bille Monster Crab, donc la bille en danse. Les deux tigers sont encore en train de pêcher, mais ça devrait pas tarder à partir si ça continue comme ça. En tout cas, ça fait bien bien plaisir ce super poisson. Donc voilà, sur un petit préamorçage comme ça, c'est magnifique. Hein, sur une belle journée d'hiver là, bien couvert. Il fait pas très chaud, mais bon, ça mord, donc que veux-tu demander de mieux? Allez, on va laisser repartir ce joli poisson. Hop. Au top les gars, ça repart. Bon, je vais vous faire une petite pause là au milieu de session pour vous expliquer un petit peu le déroulement là, tout ce qui s'est passé, un petit résumé vite fait. Donc 4 départs, 3 poissons de sortie, un poisson qui a été décroché à la prise de contact quoi, un poisson pas piqué je pense. Ensuite un joli double départ et puis la dernière petite miroir que vous venez de voir là, enfin la jolie miroir, elle fait 8 kg ou 9 kg, Johan m'a dit par message. Donc un joli poisson, c'est bien cool de voir qu'elle est toujours en forme, qu'elle est toujours présente. Donc la petite stratégie qu'on a mis en place hier, elle a bien marché, petit préamorçage. Sur la berge d'en face là, sur une bonne partie de la zone, on a deux arbres immergés que vous allez voir de toute façon en image. Donc amorçage devant, Tiger Bee à la Monster Paradise. Là ce matin en arrivant, j'ai remis une petite poignée de billes et deux petites poignées de Tiger. Et puis ça a fait le taf directement, la première heure et demie j'ai fait 3 départs, donc nickel. Ensuite j'ai attendu une demi-heure pour faire un autre départ, donc à 14h, et là ça va faire une heure que j'ai plus rien. Donc je vais relancer les cannes tout propre. Je vais faire un petit tour du plan d'eau, je vais relancer quelques billes comme ça, un petit peu écartées, juste 5-6 billes, un petit peu écartées sur les spots, pour mettre un petit rappel. Et puis on va espérer que ça reparte comme quand on est arrivé, qu'on refasse 2-3 poissons avant de partir pour bien finir la fin de journée. Donc voilà les gars, c'était un petit peu le petit débrief là de milieu de session. Je vais vous retrouver pour la dépose des cannes, on va jeter ça ensemble. Et puis espérer un poisson de plus. Bon, on est quasiment encore une heure après là. Donc je viens de refaire un départ sur la canne qui est à la bille dense. Mais malheureusement pas piqué le poisson comme la première de ce matin. Donc là je viens de reposer encore une fois les deux cannes, de refaire des sticks etc. Reposer les deux cannes bien propres. Celle de droite, du coup, je l'ai un peu plus rapprochée de l'autre, comme ça faisait un moment qu'elle avait rien fait. Je l'ai vraiment mis entre les deux arbres immergés et un peu plus proche, essayer de vraiment aller chercher les poissons, de rester à côté des cannes et d'essayer d'assurer les poissons comme ça. Mais peut-être d'aller chercher plus dans les encombrements, peut-être qu'elles sont plus rentrées dans les arbres là. Donc j'ai détendu même encore un peu plus le fil que ce que j'étais en début de journée, histoire vraiment d'augmenter la discrétion et l'approche quoi. Pour essayer d'augmenter mes chances de refaire un poisson avant de partir. Là, Johan devrait pas tarder d'arriver. Donc j'espère pouvoir lui faire prendre un poisson quand il va arriver. Ça serait bien cool. Et puis après, on pourra vous faire les 2-3 bouts de vidéo qui nous manquent pour cette petite vidéo bien sympathique. Je suis désolé encore pour les cadrages, etc. J'étais tout seul et à chaque fois qu'il y a eu des poissons, c'était un peu la galère tout seul. Surtout au moment où il y a eu les deux poissons. Là, j'ai pas encore regardé, je sais pas trop ce que ça donne. Mais bon, c'est comme ça les gars, c'est ça, c'est les aléas du direct quoi, les deux poissons en même temps. Mais bon, on espère qu'il va y avoir encore un petit départ ou deux. On a toujours espoir, on perd pas espoir. Et puis on se retrouve s'il y a un poisson. Donc voilà, comme je vous expliquais les gars, là c'est les deux petits arbres immergés qu'on pêche. Donc là, je vais vous montrer à peu près ce qu'on a mis en amorce hier, ce matin. Et puis là du coup, je vais remettre un petit coup comme je viens de vous dire, juste avant de reposer les cannes. Donc voilà, une petite poignée de billes comme ça, qu'on va jeter. Hop. Et ensuite, on va prendre une petite poignée de Tiger comme ça. Hop, et voilà, on en met vraiment large sur la zone. Histoire que les poissons fouillent un peu et qu'ils soient pas trop gavés. Et puis voilà. On va aller reposer ces deux cannes là et puis on se reprend s'il y a un poisson les gars. C'est parti. Bon bah voilà. C'est quoi, c'est 5h? Ouais, c'est 5h un peu plus peut-être. On va dans là. Je viens juste de revenir. Mais on a les pliés. Petit départ.
Ah, t'es sûr qu'on allait refaire une quand il allait arriver. Ouais, la Tiger du coup. Ouais, alors. C'est celle-là, la Tiger, celle-là. On a juste la carabine. Bon, bah voilà. On se retrouve du coup bah, pour la petite fin de vidéo là. Donc, bah, t'en auras pris plus que moi quand même. Ouais, bah t'étais pas là aussi en même temps, c'est normal. Mais voilà, on... du coup, je fais mon petit poisson là. Ouais. Pour la fin de journée. 4 poissons, voilà. Poissons pour 6 touches. Ouais, j'ai fait une touche en arrivant ce matin et une. Non, 5 poissons, ouais. Une dans l'après-midi. Ce matin, on a fait tous les deux. Oui, 5 poissons, pardon. 5 poissons pour ce... ouais, et 7 touches, ouais, parce que celle que. Une que je décroche, enfin qui s'est pas piquée, et une autre en début d'après-midi, ouais. Il y a beaucoup de petits poissons, dommage qu'on touche pas quand même, il y a 2-3 belles qu'on a vues au drone et même à vue. Ouais. Donc, mais voilà, encore une super session donc, dans le petit étang. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu et si vous en voulez encore une. Ouais, plus de contenu comme ça là, vous nous en demandez dans notre étang. Voilà. Donc ouais, franchement, il y a 3 amours blancs, il y a 2 coilles, donc il y a moyen de... Puis on en découvre encore. Ouais. Non, celle-là, on l'a jamais encore prise. Non. Comme la petite que j'ai prise ce matin, une autre petite comme ça, avec pareil, des écailles super jolies, des bonnes morphologies, des bonnes souches, des poissons qu'on va bien garder dans les temps, parce que ça peut faire vraiment de beaux poissons plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à nous dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.